L'épouse du propriétaire de la compagnie STEA a été évacuée pour des raisons sanitaires par le vol 5 RAMR de la compagnie TOA vendredi dernier. Elle est transférée à l'hôpital de Saint-Pierre à l'île de la Réunion, d'après les informations reçues. Et samedi, la CMA a émis un communiqué disant que les vols internationaux sont suspendus et que les VASAN disposent d'autorisations spéciales. La tempête tropicale modérée Eloise se rapproche dangereusement des côtes malgaches. Prévue touche et terre dans la nuit de mardi à mercredi, elle devrait se renforcer en forte tempête tropicale avant son impact dans la région d'Analanzorouf. Le nouvel ambassadeur de la Chine à Madagascar, son Excellence Madame Go Xiaome, a visité ce jour le groupe TV Plus Madagascar avec le président directeur général du groupe Nicolas Rabé-Mananzar. Madame l'ambassadeur a dressé un bilan positif de la coopération entre les deux parties. Elle a ainsi réitéré la continuité de la coopération entre le groupe TV Plus Madagascar et l'ambassade de Chine à Madagascar. La famine causée par la sécheresse dans le sud de Madagascar se fera sentir de plus en plus durement pour les deux prochains mois, d'après la prévision des acteurs et organisations internationales œuvrant dans la lutte contre ce fléau. Ce jour, un montant d'environ 75,9 millions de dollars serait nécessaire pour faire face à la situation actuelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal en version française de la TV+. Je vous invite donc à le suivre jusqu'à son terme. Dans la page politique, les noms des 6 sénateurs de Madagascar nommés par le président de la République ont été dévoilés cet après-midi. Il s'agit respectivement de Imbi Kirlaz, actuel secrétaire général du ministère de la Justice, Land Mbulati Narangia Mananté Nassou, Adzanien Ataïn Andia Nandjasan, Jean-Drenji Manzari, Richard Victor Tieb Maleou, Richard Ramanambitan, directeur de la relation institutionnelle au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. Ces sénateurs complètent donc la liste des 12 autres élus qui siégeront au Palais Vert d'Anouskiel, notant que la passation entre le bureau permanent sortant et entrant se fera le 25 janvier 2021, toujours à Anouskiel. Dans un tout autre sujet, l'épouse du propriétaire de la compagnie STEA a été évacuée pour des raisons sanitaires par le vol 5R AMR de la compagnie TOA vendredi dernier. Elle est transférée à l'hôpital de Saint-Pierre à l'île de la Réunion. D'après les informations reçues, 3 ambulances étaient venues à son domicile en Douala avant son évacuation à Iva tué samedi. La CMA a émis un communiqué disant que les vols internationaux sont suspendus et que les VASAN disposent d'autorisations spéciales. Zoula Barzon nous rapporte les détails. 3 semaines après la saisie des 73 kilos et demi d'or en Afrique du Sud, le rapatriement des 3 individus arrêtés en Afrique du Sud est encore en cours de négociation entre les deux pays. Vendredi dernier, l'épouse du propriétaire de la compagnie STEA, ayant transporté ces 3 individus appréhendés en Afrique du Sud, a été évacuée par des raisons sanitaires par le vol 5R AMR de la compagnie TOA. 3 ambulances ont été aperçues à son domicile à Douala vers 9h du matin, vendredi dernier, avant le décollage de l'avion à Ivatu, d'après les informations reçues. Samedi, l'avion civil de Madagascar ou ACM a émis un communiqué disant que tous les vols internationaux sont suspendus à partir de samedi. L'EVASAN ou évacuation sanitaire doit passer un contrôle strict avant la délivrance d'une autorisation spéciale par l'ACM. Les vols de rapatriement doivent obtenir une autorisation de la part de l'ACM avant d'atterrir à Ivatu. Et seule Nousbe Elville peut encore accueillir les vols touristiques selon le communiqué de la ACM.
La députée Mapar, élue dans le deuxième arrondissement, veut dire que la hausse des produits de première nécessité est bel et bien palpable. Elle a ajouté que les dirigeants et surtout le président de la République font déjà tous les efforts nécessaires pour qu'une baisse des prix soit visible. Selon ses explications, la hausse du prix du fret des marchandises liées à la crise économique due à la COVID-19 est aussi partie des raisons de cette hausse, selon l'entrecoutement Datim. Fetchenji Malanzar nous en fait le reportage. La population malgache se plaint actuellement de la valse des prix, surtout de la hausse incessante des prix des produits de première nécessité. Le prix du riz est le premier dont ils se plaignent le plus, car le capok de riz atteint actuellement les 800 hachiages. La députée Mapar, élue dans le deuxième arrondissement, de dire que la hausse des produits de première nécessité est bel et bien réelle. Elle a pourtant ajouté que les dirigeants et surtout le président de la République font déjà tous les efforts nécessaires pour qu'une baisse des prix soit visible, selon ses explications. Elle invite donc la population à attendre calmement à ce que ces solutions de la part des dirigeants soient appliquées et visibles. La hausse du prix du fret des marchandises liées aux conséquences de la crise économique due au coronavirus fait aussi partie des raisons de cette hausse, selon l'entrecoutement. Cette hausse du fret y est pour 75% des hausses, d'après les explications. Cette crise économique touche pourtant le monde entier, car vu la situation de confinement liée à la pandémie de COVID-19, tous les produits connaissent une hausse. La députée l'entrecoutement de dire que Madagascar a encore de la chance de ne pas entrer dans un second confinement, comme le cas à l'étranger, et qu'au lieu de cela, le pays peut encore y remédier. La tempête tropicale modérée Loise se rapproche dangereusement des côtes malgaches, prévues toucher terre dans la nuit de mardi à mercredi. Elle devrait se renforcer en forte tempête tropicale avant son impact dans la région d'Analanzerouf. Une pluie abondante est annoncée par le service de la météorologie d'Apandianoum pour toutes les régions qui seront sur son trajectoire, mais aussi les régions environnantes comme celle des Hautes-Terres. Missène Alamjain, Ivresat. Éloise était à 720 km à l'est-nord-ouest d'Antala dans la matinée de ce lundi 18 janvier, avec des vents moyens de 65 km à l'heure. Elle est classée en tempête tropicale modérée pour l'instant. En effet, elle devrait se transformer en forte tempête tropicale avant son impact dans la région d'Analanzrouf dans la nuit de mardi à mercredi. Vu la surface recouverte par cette tempête, plusieurs régions auront des pluies abondantes pouvant durer plusieurs heures, explique Vuang Razanatsimb, directrice du service de la météorologie d'Apanjinoum. Éloise sera plus forte que le cyclone Danilo de passage dans le pays il y a 2 semaines. Le service de la météorologie a lancé un avis d'alerte pour la population des Sava, à Lanzrouf, de Thomasna 1 et 2, de Prigaville, de Vatmanj, de Manour, de Bialana, de Bufanjinanor, de Malsar, d'Alot et de Mouramang. Éloise devrait sortir en mer dans la région de Bouin en fin de semaine selon les prévisionnistes d'Apanjinoumbi. La population habitant sur les côtes à partir de Vatmanj jusque vers le nord-est ne devrait plus sortir en mer, prévient le service de la météorologie. Des bulletins cycloniques sortiront périodiquement pour tenir informées les populations les plus concernées, communique Météo Madagascar. À 15h, heure locale, Éloise est localisée à 496 km à l'est d'Antala. Elle se déplace vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse assez rapide de 25 km à l'heure. Le vent moyen monte à 75 km à l'heure avec des rafales de 105 km à l'heure autour du centre de sa circulation. Les avis d'alerte sont modifiés comme suit: alerte jaune ou menace pour Analanzrouf, Fuanda, Passamba, Vantala, Touamasna 1 et 2, Béalan, Anabe Fandina Varaj, Mansar Yandilame, l'alerte verte ou avertissement quant à Voimar, Brikaville, Vatmanj, Manour, Mouramang, Ambatunjazaka et Ampara Faravula. Dans le domaine du social, la famine causée par la sécheresse dans le sud de Madagascar se fera sentir de plus en plus durement pour les 2 prochains mois, d'après la prévision des acteurs et organisations internationales œuvrant dans la lutte contre ce fléau. Ce jour, un montant d'environ 75,9 millions de dollars
serait nécessaire pour faire face à la situation actuelle afin d'obtenir cette enveloppe permettant de sortir la population du sud du Kéré. Le gouvernement, avec les organisations non gouvernementales internationales, lance un SOS à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Était également présent à cette réunion. 26 communes dans la partie sud de Madagascar en état d'urgence nutritionnelle en ce moment. Pékil et Mbossar Sud enregistrent le plus grand nombre de victimes actuellement. Il s'agit de la plus forte sécheresse qui ait pu affecter cette partie de la grande île durant ces 10 dernières années, a précisé le coordonnateur résident du programme des Nations Unies pour le développement au PNUD. Et elle sera encore de plus en plus forte pour les 2 prochains mois selon les prévisions. La sécheresse qui a affecté la campagne agricole 2019-2020 dans le Grand Sud est la plus sévère de ces 10 dernières années, alors que le démarrage actuel de la campagne agricole est de nouveau victime d'un retard important de pluie qui risque de compromettre sérieusement la prochaine campagne agricole. Les financements sollicités vont contribuer à réduire la souffrance de la population et à sauver des vies de milliers de personnes vulnérables pendant le pic de la période de soudure entre février et avril 2021. Le déplacement massif de populations du sud vers la capitale aperçue en ce moment fait partie des conséquences de cette catastrophe. Que le phénomène de migration interne s'en trouve amplifié, avec les conséquences que nous pouvons craindre sur la sécurité. À ce titre, notre action commune, en synergie avec nos partenaires techniques et financiers, aura pour objectif de renforcer la lutte contre la malnutrition et la famine, pallier les conséquences de cette malnutrition sur l'accès des plus vulnérables aux services sociaux de base, santé et soins, éducation, etc. Une somme d'environ 75,9 millions de dollars serait nécessaire pour combattre ce fléau. Cependant, ce montant n'est pas encore entre les mains des acteurs, d'où l'urgence d'une solidarité entre les autorités et les organisations internationales. Le nouvel ambassadeur de la Chine à Madagascar, Son Excellence Madame Go Xiaomei, a visité ce jour le groupe TV Plus Madagascar avec le président directeur général du groupe, Nicolas Rabi Manandar. Madame l'ambassadeur a dressé un bilan positif de la coopération entre les deux parties. Elle a ainsi réitéré la continuité de la coopération entre le groupe TV Plus Madagascar et l'ambassade de Chine à Madagascar. Après la visite des lieux, Madame l'ambassadeur s'est déclarée impressionnée par l'envergure de TV Plus Madagascar et de l'évolution du média malagasy en général. Son Excellence Madame Guo Xiaomei, nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar, a visité ce jour le groupe TV Plus Madagascar. Elle a été reçue par le président directeur général du groupe, Nicolas Rabi Mananzar. Lors de la rencontre, le président directeur général, Nicolas Rabi Mananzar, a brossé un tableau positif de la coopération avec les ambassadeurs de Chine qui se sont succédés à Madagascar et a émis le souhait que cette coopération puisse perdurer. Son Excellence Madame Guo Xiaomei, de son côté, de déclarer que TV Plus Madagascar a toujours œuvré dans l'amélioration de la coopération de développement qui existe entre les deux pays et aussi de raffermir la relation amicale entre le peuple malagasy et le peuple chinois. Lors de cette rencontre, Madame l'ambassadeur n'a pas oublié de présenter les nouvelles orientations de la Chine en matière de développement local. En outre, elle a aussi annoncé la célébration du 100e anniversaire du Parti communiste chinois, ainsi que le sommet sino-africain qui se déroulera cette année au Sénégal. Pour l'occasion, elle a aussi salué l'effort des dirigeants et du peuple malagasy pour faire face à la pandémie du coronavirus. Avant la rencontre avec le président directeur général du groupe TV Plus Madagascar, Son Excellence Madame Guo Xiaomei a visité les locaux du groupe, à commencer par Radio Plus TV, qui travaille en coopération étroite avec Star Times, où elle a été reçue par le directeur général de Star Times à Madagascar. Oh.
Son Excellence Madame Guo Xiaomei a par la suite visité le plateau Multiface pour la présentation du journal en version malgache et en version française, l'émission sportive hebdomadaire Tanzak ainsi que l'émission spéciale de TV+. Poser ses idées ou présenter ses produits. Donc c'est pas contradictoire. Mais quand même, nous avons un autre studio pour l'émission. Son Excellence Madame Guo Xiaomei a aussi visité le plateau de l'émission de débat contradictoire hebdomadaire Dungesak, une des émissions phares de TV+ Madagascar. Après une année d'expérience, on a maîtrisé les... Après la visite, l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar s'est déclaré impressionné par l'envergure du groupe TV+ Madagascar et de l'évolution du média malgache. En général, je suis très contente de pouvoir faire une visite chez TV+. Et cette visite m'a permis de comprendre mieux le fonctionnement des médias ici à Madagascar. Et je pense que le média de Madagascar c'est aussi en développement. Et je pense que dans ce processus de développement, les médias entre la Chine et Madagascar auront plus de possibilités de coopération. Son Excellence Madame Guo Xiaomei, nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar, a aussi annoncé la continuité de la coopération fructueuse entre l'ambassade de Chine et le groupe TV+ Madagascar. Nous serons contents de pouvoir toujours continuer cette bonne coopération avec TV+ Madagascar. 2021 est une année importante pour la Chine et aussi pour Madagascar. J'en suis sûr que nous avons de grands potentiels de coopération entre nos deux parties. Pour la coopération entre l'ambassade de Chine et TV+ Madagascar, les éléments de coopération ne manquent pas. Et nous tenons ici à remercier TV+ Madagascar pour cette coopération parce qu'à travers cette coopération, TV+ Madagascar a pu montrer au peuple malagasy une Chine réelle. Et aussi de passer au peuple malagasy cette bonne coopération et aussi cette amitié entre nos deux peuples. L'enquête parlementaire sur l'acquisition illégale d'un terrain par des ressortissants chinois est actuellement en cours. Selon le président de la Commission de l'aménagement du territoire et de la gestion foncière à l'Assemblée nationale, les opposants ne doivent pas diffuser de fausses informations, mais devraient plutôt attendre les résultats de l'enquête en cours, selon Cédige. Mikael Adjemoulas, Afidja Koutmanal. Le trafic des 73,5 kg d'or et l'acquisition d'un terrain ici dans le rouf d'Ambo-Djanahar à la Soura sont les deux affaires criminelles qui défraient la chronique actuellement dans le pays, selon le président de la Commission de l'aménagement du territoire et de la gestion foncière au sein de l'Assemblée nationale. Ces deux affaires sont illicites d'après ses explications. Elles ont besoin d'enquêtes spéciales. L'enquête parlementaire sur l'acquisition illégale d'un terrain par des ressortissants est actuellement en cours, toujours selon sait dire. L'État procède également à une enquête quant à l'affaire du trafic des 73,5 kg d'or. Les opposants ne doivent pas supputer avant que les résultats de l'enquête ne soient connus. Quelqu'un habitant en Afrique du Sud serait derrière cette affaire, toujours selon Naif Raouldin. Et c'est également avec ce reportage que nous clôturons cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci également de rester fidèle à TV+. Je vous retrouve à tout à l'heure. Au revoir.